Hello, hello, hello tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est Karine Morère. Rendez-vous pris, rendez-vous promis. Eh bien, je suis là. Je suis là en direct live. Je vais attendre quelques instants pour que vous vous connectiez avec moi. Alors, qui est là ce midi? Qui est là? Qui est avec moi pour parler de ce fabuleux sujet que j'ai programmé il y a déjà quelques jours. N'hésitez pas à me faire des petits pouces, des petits cœurs, à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par le sujet du jour. N'hésitez pas à me dire comment vous arrivez par rapport à ce sujet qui est l'éjaculation féminine. Vaste sujet. Donc, qu'est-ce que vous savez à propos de ça? Partagez-moi peut-être en commentaire. Qu'est-ce que vous savez de ça? Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu chez vous? Soit en tant qu'homme, est-ce que vous avez déjà assisté à une éjaculation féminine ou en tant que femme? Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous que l'éjaculation féminine? Voilà, je vais encore attendre quelques petites secondes que Facebook, dans son logiciel, puisse faire tourner la vidéo. Voilà, voilà. Bon. Alors moi, j'ai plein de choses, hein, forcément. J'ai plein de choses à partager là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle de l'éjaculation féminine? Déjà, je suis une facilitatrice de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire une facilitatrice de conscience? C'est-à-dire que, un peu comme une maïeuticienne, un peu comme une sage-femme, j'aide et j'accompagne les femmes à accoucher de leur énergie sexuelle, entre autres, mais pas que, de leur puissance orgasmique. Je les aide et je les accompagne en présentiel ici, donc à mon atelier de conscience, ou à distance, voilà, sur des séances à distance. Et très régulièrement, comme je pratique ce que j'appelle le toucher thérapeutique intra-pelvien, je reconnais que cette zone de l'éjaculation féminine est très méconnue et surtout l'espace par lequel ça s'opère, c'est-à-dire la zone clito-urétro-vaginale, est chargée, minée d'énergie d'abus, de peur, de contraction. Et c'est très compliqué pour une femme qui a cette zone insensible ou pleine de tristesse de pouvoir libérer, voilà, de pouvoir laisser s'exprimer sa zone clito-urétro-vaginale. Alors, qui c'est qui est là? Marianique, tu me dis, depuis ton toucher intra-pelvien, ma fontaine s'est ouverte. Changement total de mon paradigme sexo. Waouh, merci Marianique. Merci à la fontaine que tu es de s'exprimer librement. Christelle, tu me dis déjà bravo d'en parler, il faut oser. Oui. Osons parler de sexualité féminine, osons parler de comment animer, voire même réanimer cette zone. Alors, j'aimerais que l'on différencie la femme qui éjacule, l'éjaculation féminine, de la femme fontaine. Pour moi, c'est vraiment deux espaces totalement différents. Je suis une sourcière, c'est-à-dire que j'ai cette habitude, en fait, de pouvoir déjà aller chercher ma source à l'intérieur de moi. Et j'ai aidé et accompagné des femmes à réveiller leur source intérieure, leurs os. Hein, il existe plusieurs os dans la manifestation de la puissance sexuelle des femmes. Je commencerai par la cyprine, qui est donc ce liquide qui est produit par les glandes de Bartholin, et les deux petits trous sont de chaque côté en fait du vagin, et c'est ce qui fait que le sexe est mouille, hein, la vulve mouille, est excitée, manifeste une excitation, et ça favorise la pénétration. Il existe, donc on appelle ça la première eau. Il existe également, lorsque la femme est suffisamment bien pénétrée, excitée, et que le rapport sexuel est assez long, il existe ce que j'appelle moi le transuda.
Je ne suis pas la seule à l'appeler comme ça, hein. Tous les sexothérapeutes savent ce que c'est, d'accord? Le transuda, c'est quand en fait le vagin est suffisamment excité, il va en fait au début il est un peu comme contracté, comme en forme d'accordéon, et avec l'excitation il s'allonge, il s'étire, et dans cet allongement en fait, eh bien il va y avoir une transpiration, comme un liquide qui va sortir, qui va mouiller en fait le vagin, et qui favorise également donc la pénétration. Et puis il y a donc l'éjaculation féminine et puis la femme fontaine. Alors, de mon expérience, il faut vraiment différencier deux choses. J'aimerais vous montrer ce que c'est qu'une prostate féminine. Vous voyez, ça c'est le canal méa urétral, par là où on fait pipi, dessous est le vagin. Vous voyez, à chaque fois, on a le méa urétral, d'accord? Et autour, c'est ce qu'on appelle les glandes de Skene, les glandes para-urétrales. D'accord? Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'éjaculat. C'est ce qui va produire l'éjaculat. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que cette éjaculation, d'accord, c'est comme une glande lacrymale. Quand elle est stimulée, quand elle va être frottée, quand elle va être, par exemple, stimulée. Alors moi, je trouve qu'avec les doigts, c'est vraiment très bien parce qu'on peut vraiment, il y a ce côté chaud. Mais j'ai montré la semaine dernière hein, des sextoys qui peuvent vraiment venir œuvrer sur cette zone-là. D'accord? Donc de venir frotter cette zone G, non pas par des mouvements de pénétration. Alors messieurs, si vous voulez devenir un sourcier, arrêtez le côté longitudinal de pénétration, j'en perds mon livre, de pénétration longitudinale. C'est pas du tout comme ça que l'on va accompagner une femme à exprimer son éjaculat, sa troisième eau. Ça va vraiment être en venant faire des doigts un peu comme en crochet. Vous voyez, là, je vais montrer l'entrée du vagin. Le clitoris est juste au-dessus. Donc, l'urètre, les glandes para-urétrales. Et l'invitation, c'est de vraiment venir frotter cette zone comme ceci, des mouvements circulaires, et de venir faire comme une petite vibration. Chaque femme va avoir son degré de vibration qui lui est propre. Il y a des femmes qui vont aimer une vibration plutôt douce, plutôt lente. D'autres qui vont au contraire aimer plutôt une stimulation beaucoup plus saccadée, beaucoup plus vibrante. D'accord? Et de ma propre expérience, l'éjaculat, c'est ce qui va sortir en fait de ces glandes para-urétrales. D'accord? Mais il existe encore une autre eau. Il existe en fait la femme fontaine. Et la femme fontaine, c'est en fait le liquide qui va sortir en fait par la vessie de la femme. C'est-à-dire qu'il y a un tel lâcher-prise. Il y a une telle détente qu'en fait, l'excitation, l'accélération du pouls va faire qu'en fait, il va y avoir, les reins vont filtrer de l'eau beaucoup plus rapidement. Et on se retrouve en fait à l'intérieur de la vessie avec une eau très claire, avec très peu en fait d'urée. Une eau vraiment, c'est ça, très quasiment pas odorante. Et ça, en fait, c'est ce qui va créer la fameuse fontaine avec ses débordements pour le squirting. C'est ce qu'on appelle donc dans les films porno ou dans le terme anglo-saxon, c'est le squirt. Et en fait, c'est ce qui va faire qu'en fait, il va y avoir vraiment cette émission de liquide très fort, comme un peu des geysers, selon la tonicité du pubocoxygien. Alors, j'aime beaucoup bien faire la différence entre ces deux-là, c'est-à-dire l'éjaculat qui est en fait, hein, vous voyez, c'est le vestige de la prostate. C'est comme en fait, et dedans, quand il y a un éjaculat, c'est un peu laiteux, c'est un peu blanchâtre. Il y a des femmes qui ont ces glandes-là qui sont beaucoup plus présentes que d'autres. D'ailleurs, vous voyez, elles ont toutes. Il y a celle-ci qui est très proche donc du méa urétral. Celle-ci est quand même assez bien répartie, hein, c'est tout le long du canal urétral. Et celle-ci est plutôt sur l'arrière. Et effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, cette zone au toucher va avoir pour les femmes, pour certaines femmes en tout cas,
un aspect un peu piquant. Quelquefois, elles peuvent dire ça me pique ou j'ai envie de faire pipi. Et en fait, effectivement, quand on vient toucher cette zone, on comprend bien qu'au niveau du circuit neuronal qui est attaché là, si je viens toucher en fait cette zone clito-urétro-vaginale, c'est encodé dans mon cerveau, j'ai envie de faire pipi. Et ça va être pour la femme de sortir de cet état d'avoir envie d'uriner et d'avoir la peur. C'est surtout ça. C'est exactement la même chose que dans la sodomie. D'accord? Dans la sodomie, quand on rentre en fait dans le canal, enfin dans l'anus, le premier réflexe, ça va être de serrer parce qu'on a tout ce conditionnement avec la sodomie que quand il y a quelque chose dans l'anus, c'est qu'on a forcément envie de faire caca, hein, le réflexe défécatoire. Mais pour l'urètre, ça va être la même chose. Ça va être de sortir en fait de ce réflexe, si je touche là, si j'ai une pression là, c'est que j'ai envie de faire pipi. Et ça va être vraiment non pas d'être dans une recherche orgasmique, orgastique, d'accord, mais dans un état de détente et de venir en fait caresser cette zone clito-urétro-vaginale, dans un état de détente, de relâchement, de sentir sous les doigts en fait les tissus gonflés, hein, que cette glande va gonfler et qu'à un moment donné, en fait, des petites pressions vont permettre en fait à cet éjaculat, d'accord, eh bien de sortir. D'accord, de se manifester et c'est vraiment comme c'est vraiment très blanchâtre. C'est presque pour en avoir vu plusieurs, c'est vraiment un peu laiteux. Et la femme vraiment fontaine, à ce moment-là, on vient encore un peu plus profondément, on vient vraiment en contact avec la vessie qui est au-dessus et on vient vraiment en fait actionner juste derrière en fait. Vous voyez, juste derrière, on vient mettre les doigts en crochet encore plus profondément et venir actionner ici. Et moi, je me rends compte dans les touchés thérapeutiques intrapelviens que je pratique, les femmes qui viennent à l'atelier sont des femmes qui ont vraiment besoin de se reconnecter en conscience, qui ont été blessées, qui sont dans l'ignorance et qui ont besoin de reconnaître leurs intimes. Avec bienveillance, avec sécurité, avec un regard neuf, avec simplicité. Et quelquefois, effectivement, l'activation de la fontaine va être nécessaire parce qu'elle va pouvoir libérer des eaux, des pleurs. En fait, quand une femme libère sa fontaine, c'est comme si en fait il y a des tristesses, hein. Il y a vraiment des tristesses, des peurs profondes qui peuvent se libérer. Très souvent, il y a beaucoup d'émotions. D'où mon invitation à apaiser cette zone clito-urétro-vaginale. J'appelle ça l'apaisement de la zone G. C'est-à-dire qu'une femme va pouvoir rentrer dans une autre sphère d'orgasme avec orgaste lorsqu'elle va libérer toute cette zone clito-urétro-vaginale et cette zone A, la dame du lac, lorsqu'elle va pouvoir libérer toutes ses émotions profondes, eh bien, elle accède effectivement en suivant à une couleur d'orgasme totalement différent. Et elle peut le faire elle-même. Chaque femme peut être sa propre sorcière. Alors profitons, mesdames, de ce temps qui nous est alloué, d'être à la maison, d'être confinées à la maison, pour rentrer nous-mêmes à la maison, pour rentrer voir un petit peu quels sont nos boutons, quels sont et nos espaces qui sont actifs, les zones d'insensibilité, les zones où on voudrait ressentir quelque chose et on ne ressent rien, les zones au contraire qui sont douloureuses, et de pouvoir en fait respirer dans cette zone-là. Chaque vagin est contaminé de bombes antipersonnelles. Qu'est-ce que j'entends des bombes antipersonnelles? Les bassins sont vraiment des lieux de méconnaissance. Les vagins sont ignorés. Les vagins sont inconscients. Les vagins sont juste des voies de passage pour les pénis, les spéculums et les bébés.
mais les vagins sont très peu investis avec une conscience vivante. Et le fait de venir actionner sa source, que ce soit son éjaculat ou sa fontaine, eh bien, ça va changer beaucoup de choses. Parce que les émotions qui sont contenues dans les bassins insécurisent énormément les femmes, les fait monter au plafond. Quand je dis les font monter au plafond, c'est-à-dire que ça devient. Elles sont dans une réflexionnite aiguë, elles sont toujours en train de réfléchir, elles sont toujours en train d'anticiper, de programmer, de mentaliser. Elles se coupent totalement de leur ressenti. D'accord? Le fait de s'autoriser là en ce moment, ce qui nous est demandé, c'est de revenir vraiment dans ce premier chakra et de venir libérer en fait nos eaux en fait. Vous voyez, il y a toutes ces inondations en ce moment, on voit des inondations partout. Eh bien, osons inonder eh bien, notre lino, osons notre parquet de nos eaux profondes. Notre corps nous dira merci. Je me propose, moi je dis, d'accompagner des libérations émotionnelles dans les bassins. Et mon Dieu, que c'est bon de pouvoir être sa propre sourcière. Et lorsque nous sommes notre propre sourcière, lorsque nous arrivons en fait par ce mouvement, vous voyez, je fais vraiment ce mouvement-là, à l'intérieur, d'activer notre propre fontaine, de libérer nos eaux, eh bien nous pouvons inviter nos hommes à être nos sourciers. Et rien de plus merveilleux pour un homme, eh bien quand ce féminin est apaisé, qu'il puisse, notre homme, accueillir notre masculin, manifester notre éjaculat, notre fontaine. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Lorsqu'un féminin, un Graal, un bassin, hein, est apaisé et conscient, quand tout ce périnée, tout ce vagin, toutes ces voiles périnéales sont conscientes, eh bien ce masculin peut s'exprimer. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire l'éjaculation féminine, c'est-à-dire que c'est une manifestation de notre masculin. L'un ne va pas sans l'autre. Le plaisir féminin et le plaisir masculin ne vont pas l'un sans l'autre. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui éjaculent mais qui n'en sont pas conscientes. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je vous ai montré. Alors c'est le point G. Je vous invite vraiment à vous le procurer, Deborah Sandal, qui a proposé beaucoup d'ateliers sur l'éjaculation féminine. Voilà, le guide du tabou du point G et de l'éjaculation féminine. En fait, beaucoup de femmes éjaculent. Mais ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire que l'éjaculat, ce que je vous montre ici, donc les glandes para-urétrales, en fait, tout ça remonte, ça, c'est comme si ça pouvait remonter dans la vessie, en fait, donc elles font une éjaculation rétrograde. Et ce sont nos hommes, hein, nos hommes, quand ils sont soi-disant éveillés, eux, ils ont des éjaculations rétrogrades, c'est-à-dire que leur éjaculation ne se manifeste pas dehors, ne sort pas, mais remonte. En fait, je pense que la plupart des femmes sont conditionnées à être des éjaculatrices rétrogrades, c'est-à-dire que on n'ose pas, parce que ce qui doit sortir de cet espace, c'est forcément de l'urine, et ce n'est pas en fait le nectar des dieux. Hein, ce n'est pas l'amrita, le nectar des dieux. Ce nectar ne peut pas sortir parce qu'en fait, il est conditionné à ne faire sortir que de l'urine. Voilà. Est-ce que ça vous parle tout ce que je vous raconte? Est-ce qu'on a des fontaines avec nous aujourd'hui? Donc Franck, tu me dis, est-ce que tous les hommes en sont capables? Oui, Franck, tous les hommes sont capables d'être des sourciers. C'est juste en fait sortir de ce diktat de devoir pénétrer d'une façon mécanique comme ceci. D'accord? C'est vraiment changeons de paradigme. Alors, il y a des pénis qui vont en être capables parce qu'il y a des postures qui favorisent effectivement la fontaine. Moi, je sais pas si vous connaissez ce que c'est un sling, par exemple, ou par exemple, celles qui sont thérapeutes sur le bord de la table de massage. Hein, vous mettez le bassin au bord, hein, de la table de massage. Le bassin est un tout petit peu, en fait, recourbé, c'est pas recourbé, mais tombe un tout petit peu dans le vide et les jambes vont être récupérées par le partenaire ou la partenaire, peu importe,
La femme, ça sera celle qui porte la ceinture gode, évidemment, et l'homme, celui qui a le pénis. Et en fait, le fait d'avoir le bassin un tout petit peu, en fait, il faut être un peu en rétroversion, c'est-à-dire pousser les fesses, ça cambre un peu. Le pénis, automatiquement, va venir, en fait, sous cet angle-là, va venir frotter en fait cette zone para-urétrale ici et la zone en fait la dame du lac, la zone EFA. Il y a vraiment cette posture qui favorise la fontaine. Donc selon ce que je voulais vous partager, selon comment sont positionnées les glandes, il y a des femmes qui vont avoir besoin de pouvoir pousser parce qu'il s'agit en fait de pousser. Ça, c'est hyper important. Beaucoup de femmes, en fait, une fois qu'elles ont le pénis à l'intérieur, sont dans une sorte de contraction où elles serrent le pénis et le clitoris favorise, en fait, cette contraction. Lorsque vous touchez, mesdames, regardez, quand on touche notre clitoris, automatiquement, ça vient faire des contractions un petit peu du pubocoxygien, d'accord? Lors de l'éjaculation, il ne va pas s'agir ici de contracter forcément, mais ça va être de pousser, de vraiment de pousser. Et c'est là où je me rends compte, de par mes accompagnements, parce que j'ai vraiment cette chance, je suis vraiment dans le vif du sujet, de par mes accompagnements dans les touchés pas intrapelviens, que très peu de femmes savent pousser. Ou quand elles savent, elles croient savoir pousser, mais elles ne savent pas. La dernière personne que j'ai accompagnée il y a quelques jours, quand je lui ai demandé pousse, montre-moi comment tu pousses. Au lieu de pousser, elle serrait. Ce n'est pas la même chose. Le fait de contracter et de pousser, ça ne fait pas du tout intervenir les mêmes espaces à l'intérieur. Donc c'est tout ça, c'est pour vous dire que très souvent, il y a une telle méconnaissance au niveau du bassin, au niveau du périnée. Qu'est-ce que ça veut dire contracter? Qu'est-ce que ça veut dire relâcher? Qu'est-ce que ça veut dire pousser? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'on a vraiment besoin de remettre de la conscience, d'une conscience vivante, que quand je demande, moi par exemple, lors d'une séance pouce, c'est pas la même chose que serre. Et les effets sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que quand on va pousser, si la femme repousse, en fait, quand elle repousse, elle va repousser effectivement tout le liquide qui est là, en fait, dans les glandes para-urétrales, d'accord? Et le liquide, c'est-à-dire tout le liquide, toute l'âme, donc l'âme Rita, qui est en fait dans la vessie. Et à ce moment-là, il va s'agir de venir actionner. Et quand elle va pousser, soit il faut laisser le pénis ou les doigts à l'intérieur, soit la laisser libre de pouvoir pousser et repousser en fait son vagin pour qu'elle puisse libérer les os. Voilà. Les femmes qui éjaculent ou qui sont fontaines pour la première fois, il y a beaucoup d'émotions, soit des rires, soit des pleurs. Voilà, c'est un espace qui a vraiment besoin de bienveillance. C'est un espace qui a besoin d'être accompagné quand ça arrive, par exemple, quand on fait l'amour, s'il y a des pleurs, messieurs ou mesdames, quand vous accompagnez ce genre d'expression. Soyez rassurés, c'est une étape nécessaire. L'apaisement de la zone G, souvent il y a des pleurs. Et ne croyez pas que vous avez fait mal, ne croyez pas que vous avez mal fait, c'est juste une libération émotionnelle qui est nécessaire pour qu'un espace nouveau psychique, un espace nouveau de plaisir puisse s'offrir dans le corps de la femme. Encore faut-il savoir accompagner en fait ces liquides, donc que celui qui reçoit, en fait, que le sourcier ou la sourcière puisse pouvoir recevoir pleinement à la fois les liquides, la manifestation donc du liquide, mais également toute l'émotion cachée derrière. Alors, je voudrais aussi faire le point sur cette espèce d'engouement, de mode de la femme fontaine. Ce n'est pas une obligation non plus. D'accord? La femme fontaine, ce n'est pas une obligation pour être une vraie femme. Ce n'est pas parce que je vais libérer mes os que je serai plus femme qu'une autre. Être une vraie femme,
Pour moi, ça ne s'attache pas à ça. Être une vraie femme, c'est une capacité que nous avons, ou pas, à rencontrer, à venir à l'intérieur, à nous abandonner dans notre intériorité. Et l'éjaculation, la fontaine, n'est pas forcément une résultante de là où nous en sommes avec notre féminin. C'est un espace qui demande vraiment d'y aller sans attente, sans point de vue, sans jugement, sans contraction, de ne pas y aller parce que c'est la mode, parce que c'est ce qu'on voit dans tous les films porno, hein, d'accord? C'est un espace qui demande vraiment de la bienveillance, qui demande à être accueilli. Et on n'est pas obligé non d'être une fontaine, d'être une éjaculatrice pour être une vraie femme. Tout comme on n'est pas obligé d'avoir des orgasmes, d'accord, pour être une vraie femme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Franck, tu nous dis, les sorciers sont-ils considérés comme de bons amants? Faut-il de l'amour pour réaliser cette prouesse? Eh bien, je viens d'y répondre, Franck. Effectivement, ça demande une conscience de respect et de d'accueil. Pour moi, un bon sorcier, c'est un homme qui est capable de contacter son féminin, de venir à l'intérieur, et qui n'est pas dans la recherche de la performance, et qui n'est pas en fait dans le besoin de faire jouir pour assurer son ego d'amant. Donc ça demande aussi de la part du sorcier et de la sorcière d'accueillir dans l'instant présent ce qui est sans avoir besoin de se rassurer sur sa capacité à être un bon amant ou une bonne amante. Donc ça demande un espace de bienveillance qui se crée dans l'instant, sans projeter déjà dans 2 minutes, dans les 10 minutes prochaines, sur ce qu'on va faire ensemble. Du tout. C'est vraiment comme une création d'une œuvre d'art abstraite qui se crée à deux dans une respiration commune et dans lequel effectivement il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de point de vue, il y a juste un partage de ce qui se présente là tout de suite maintenant. Donc arrêtons de vouloir coller le fait d'être un bon amant ou pas un bon amant à ça. Il y a des bons amants qui n'ont pas besoin d'être des sorciers et vice-versa. Hein, d'accord? Un bon amant, c'est pas une taille de pénis, ce n'est pas non plus, comment dire, le fait d'être un sorcier ou pas. Un bon amant, ça va être, comment dire, un homme, une bonne amante également, ça va être un homme, une femme qui est capable en fait de sortir de l'espace égotique d'un résultat, d'accord? Et de créer dans l'instant, avec ce qui se présente, eh bien, une rencontre amoureuse, une rencontre qui surfe sur le fil de l'énergie, sur le fil de ce qui est, de ce qui se présente. C'est ça, pour moi, en tout cas, ma représentation du bon amant. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'éjaculation? Est-ce que j'ai été assez précise par rapport à tout ça? N'hésitez pas hein, à me dire s'il y a je crois que tu remontes. Est-ce que c'est agréable pour les femmes? Alors, très bonne question, merci Franck. Est-ce que c'est agréable pour les femmes l'éjaculation féminine? En fait, on peut éjaculer avec orgasme, orgaste, et on peut éjaculer sans orgasme, sans orgaste. En fait, je trouve qu'il y a deux façons d'éjaculer quand c'est relié effectivement à l'orgasme, donc avec les contractions, avec vraiment cette manifestation du plaisir qui circule dans tout le corps, génial. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. L'éjaculation vient comme créer un apaisement dans ce bassin. C'est comme si, en fait, elle crée comme un nouveau circuit, comme si, en fait, le cœur, comme si certains chemins neuronaux pouvaient s'incarner d'une façon totalement différente à l'intérieur du vagin. Et effectivement, lorsqu'une femme éjacule, derrière, il y a un espace de sérénité, de paix.
un espace de bénédiction qui n'a absolument rien à voir avec l'orgasme clitoridien, soyons très honnêtes. Ne vous attendez pas à ressentir lors de l'éjaculation le même état que lors de l'excitation du clitoris. Hein. C'est pas du tout pour moi la même chose. Voilà, il y a des femmes qui peuvent éjaculer avec le clitoris, très bien, mais je pense qu'en fait, on peut aussi sortir en fait du diktat du clitoris et vraiment en fait rentrer à l'intérieur sans. Quand je dis le clitoris, c'est juste la partie émergée en fait, le bouton, le gland en fait et le prépuce, et venir en fait stimuler toute cette partie, rentrer les bulbes et les arches. D'accord? Et cette zone G, en fait, cette zone clito-irétro-vaginale, eh bien, c'est là où, en fait, j'ai pas de clitoris. En fait, c'est là où, vous voyez, c'est là où il y a un peu comme le carrefour, le clito, le gland est au-dessus. Et vous avez ces deux grandes arches avec un carrefour ici. Et ça, c'est avec l'urètre plus le vagin, d'où le complexe clito-irétro-vaginal, eh bien, ça va pouvoir être stimulé. D'accord? Avec ce genre de mouvement ou circulaire. D'accord? Et moi, je me propose dans pas très longtemps de proposer un atelier, une soirée d'activation de la zone G sur Zoom pour les femmes, pour qu'elles puissent devenir, s'autoriser à être leur propre sourcière. Donc, je donnerai effectivement donc aux femmes qui veulent se découvrir en tant que sourcière, eh bien, toutes les techniques et les astuces. Pour y arriver, donc ça se fera par vidéo effectivement cachée parce qu'on va garder quand même notre intimité, mais je guiderai en fait pas à pas certaines femmes qui ont besoin de venir se découvrir dans cet espace pour pouvoir le partager avec leur compagnon ou leur compagne, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions par rapport à tout ça? Aline, ne pas tomber sous le diktat de l'éjaculation à tout prix comme sous celui de l'orgasme à tout prix. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On est vraiment dans une ère, en fait, où le mental, l'ego, s'empare de tous les espaces comme d'un espace de réussite. Et l'éjaculation féminine n'est pas soustraite à cet engouement égotique. D'où tout à l'heure mon envie de vraiment soustraire en fait notre zone G, notre éjaculation du fait d'être une vraie femme. Ça n'a absolument rien à voir. Alors Franck, tu nous dis merci Franck d'être là, de pouvoir partager ton expérience d'homme. Ça fait du bien d'avoir des hommes qui partagent tout ça. Cela m'est arrivé, tu dis une fois, donc la femme a éjaculé, d'accord? Et elle était très gênée. Et oui, mais parce qu'en fait, elles ont peur, en fait, que ce soit de l'urine chargée, d'urée, que ça pue. Déjà, ça veut dire qu'on n'est pas, déjà, la femme n'est pas au clair avec son petit bassin. Il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup de pression à l'intérieur, sachant quand même que. La vessie est un espace, est un organe dans lequel il y a beaucoup de mémoire. Le rectum aussi, mais la vessie beaucoup. L'urètre a beaucoup, beaucoup de mémoire. Quand on serre, quand on a peur, en fait, on contracte toutes les énergies d'abus. Je rencontre toutes les énergies d'abus dans cette zone clito-urétro-vaginale. Elles sont toutes là, hein, phagocytées là-dedans, dans des indurations, dans des peurs, dans des ça fait mal, ça pique, c'est contracté. Et effectivement, une femme, quand elle va vraiment se sentir tellement en confiance avec un homme que pour le coup, eh bien, elle lâche, elle va lâcher et elle va se sentir gênée de lâcher parce qu'effectivement, ben, on nous apprend tellement à devoir tenir et contracter que ça crée de la gêne. Ah oui, tu étais content, toi, mais ça m'étonne pas parce qu'en fait, c'est tellement une manifestation d'un abandon total, complet, radical, que les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui adorent ça. Je vais donner comme exemple, eh bien, mon compagnon à moi, mon compagnon qui a beaucoup d'expérience avec les femmes. La première fois que ça lui est arrivé, donc, de rencontrer ce genre de femme, en fait, il savait pas. Il était un peu démuni. Il comprenait pas ce qui se passait, il n'a pas pu accueillir parce qu'en fait il y a beaucoup d'hommes aussi ben, qui ne savent pas,
qui ne savent pas que ça peut se manifester. Ou alors, on va dire aux femmes, c'est parce qu'elles ont de l'incontinence, donc tout de suite, c'est que ça ne va pas. Voilà, il ne faut pas vraiment relier ça à de l'incontinence, mais au contraire, un relâchement total, un abandon. Et les fois d'après, en fait, mon compagnon, de son propre témoignage, ça serait bien que d'autres hommes, d'ailleurs, puissent partager leurs expériences de sourcier. Là-dessus, après, lorsque mon compagnon, ça lui arrivait d'accompagner donc la fontaine des femmes, eh bien c'était extrêmement jouissif et orgasmique pour lui, parce qu'en fait, à ce moment-là, ce qu'il faut se passer, c'est quand la femme s'abandonne et relâche, on est dans un degré d'ocytocine. J'en reviens à cette hormone, parce que c'est ça le cocktail gagnant. C'est quand on est dans un cocktail gagnant d'ocytocine, il y a un relâchement. Oui, c'est comme quand la femme elle accouche, on ne lui demande pas de contracter son col de l'utérus, on lui demande de se relâcher, pousser. D'accord? Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est formidable, c'est que l'ocytocine a une vibration extraordinaire qui va créer du lien et qui crée le sentiment amoureux, l'attachement. Et les hommes, ça ouvre leur cœur de pouvoir accueillir notre fontaine, notre Amrita, notre nectar des dieux. Hein, d'ailleurs, dans des traditions, en fait, il y avait des femmes, il y a des godemichés, j'ai recueilli tout ça dans mes écrits, qui récupéraient, donc qui se masturbaient pour éjaculer, qui recueillaient donc leurs eaux claires et qui en faisaient en fait des crèmes de jouvence et qui c'était une eau chargée en fait d'amour, effectivement, c'est plein d'ocytocine. D'accord? Donc youpi, réjouissons-nous. Et donc pour dire que les hommes peuvent se réjouir, mais c'est-à-dire que là on est vraiment dans un espace d'abandon. Et cet espace d'abandon, ben, c'est pas quelque chose qui se contrôle ou qui se dicte, d'accord? Ce n'est pas un diktat, bien au contraire, c'est un espace qui s'accueille, c'est d'autres chemins neuronaux qui peuvent se créer pour voir autre chose. Alors, Dominique, tu nous dis, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être une femme fontaine. Super, merci Dominique. Et alors, moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que ça a opéré en toi? Qu'est-ce que ça a créé pour toi le fait de te sentir fontaine? Est-ce que tu as ressenti du plaisir? Est-ce que tu as ressenti de la liberté? Est-ce que tu as ressenti des émotions particulières? Voilà, ça va être intéressant de pouvoir effectivement savoir quel est l'intérêt finalement, s'il y avait un intérêt, c'est quoi l'intérêt d'être une femme fontaine? Alors, je vais parler d'une expérience, c'est-à-dire la mienne. Au départ, j'y suis allée au forceps. Bon, c'est un peu parce que je me suis dit, mince, il y a quand même plein de femmes qui y arrivent. Pourquoi moi, Karine Morère, quand même, qui suis spécialisée dans le sexe, eh bien, je n'arriverai pas à éjaculer, je comprends pas et tout le machin. Déjà, c'est une possibilité qui est arrivée dans ma réalité de femme avec mon compagnon, qui m'a dit qu'il avait déjà vu des femmes fontaines. Je dis, oh non, c'est quoi ce truc-là? Donc, j'étais déjà pleine de jugements et d'a priori. Et puis ensuite, en travaillant, effectivement, j'ai cette capacité, moi, à amener le sujet de la sexualité facilement sur le sujet. Enfin, le sujet de la sexualité rentre souvent dans mes discussions. Et en fait, j'étais dans une animation à l'époque, je devais former une équipe et je me suis retrouvée avec une autre formatrice. Et le soir, on était dans le même hôtel et on a commencé à discuter. Et elle me partageait, tu sais, Karine, moi, mon compagnon, il y a une fois, il est rentré tellement profond en moi, ça a été tellement profond qu'en fait, je suis devenue fontaine, j'ai libéré toutes mes eaux. Et là, quand même, ça a piqué ma curiosité, donc je lui ai demandé, je dis, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, le soir même, j'ai essayé, je me suis dit, mince, je suis quand même pas plus idiote qu'une autre. Et effectivement, eh bien, c'est en faisant comme elle m'avait dit. Elle m'a dit, eh bien, c'était en repoussant, au lieu de vouloir contracter et de rentrer à l'intérieur, c'était vraiment en repoussant, comme si je voulais sortir mes doigts, comme si je voulais sortir les os, comme si ben, j'accouchais tout simplement, comme si j'allais aux toilettes. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu recevoir mes os. Et ça a été extrêmement pour moi
libérateur. J'ai eu cette sensation d'accéder à une zone émotionnelle totalement inconnue, totalement inédite. Il ne s'agissait même pas d'un plaisir orgastique, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec, pour moi, ce qui se passe dans le clitoris. Mais un état de relâchement tel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un tel état de relâchement dans le périnée, qu'en fait, quand on est comme moi, je l'étais à l'époque, donc ça remonte quand même à quelques années, ou comme certaines femmes qui viennent me rencontrer, on est tellement habitué à tenir et à contracter, parce que c'est ce qu'on nous apprend, qu'à ce moment-là, quand on relâche et quand on détend, tout d'un coup, à l'intérieur, ça fait tous les muscles périnéaux font ah, ça peut se détendre. Et il y a un sentiment de paix. Il y a un sentiment au-delà du côté plaisir physique. Je sors du côté plaisir physique et je viens plutôt au niveau émotionnel, au niveau... Il y a une sensation d'unité. Je vais reprendre les termes de ma dernière cliente patiente qui m'a dit, je n'ai jamais ressenti ça. J'ai une sensation de ressentir un canal qui rejoint ma tête, mon cœur et ma vulve. Elle avait une sensation à ce moment-là, lorsque ses eaux se sont déversées, lorsqu'elle a pu accueillir sa fontaine, eh bien cette sensation d'unité. C'est vraiment ces mots hein, qu'elle m'a partagés, une sensation d'unité, de reliance et un état de paix. Et effectivement, avant d'en arriver là, il y a eu quand même des émotions qui sont sorties. Déjà des attentes sur ce que était le plaisir féminin. Donc voilà, elle était dans des attentes. Donc elle a lâché ses attentes. Et en fait, de pouvoir accueillir cet état-là de grâce, un état de paix, de relâchement profond, eh bien, ça change tellement de choses. Ça change tellement de choses. C'est-à-dire que nos vagins, nos périnées, nos urètres, nos clitoris sont conditionnés continuellement. On attend de l'orgasme, on attend de l'extase. Moi, j'étais là-dedans pendant des années. J'attendais que ça m'amène dans des états, je ne sais pas trop où, d'accord? Mais ce n'est pas en cherchant qu'on obtient. C'est en s'abandonner, hein, c'est à s'abandonnant dans aucune recherche. Alors je sais, c'est exactement la même chose que le spirituel. On peut chercher pendant des années à être, vous voyez, sur un chemin spirituel. Alors on fait des retraites, on fait des machins, on fait plein de développement personnel. Et à un moment donné, vous voyez, s'il y a quelque chose qui capitule à l'intérieur de soi, où on arrête d'être des chercheurs et on est. Et on est juste, on sent, c'est un espace de capitulation où en fait l'ego est toujours en train de chercher une technique de plus, un espace de plus, un truc, un machin. Et en fait, et à force de chercher, finalement, on est dispersé. Et c'est dans cette quête que finalement, ça se passe exactement la même chose avec la source, à l'intérieur du vagin, donc à l'intérieur de la femme. D'accord? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est quand on arrête de chercher. Quand on est dans l'accueil, souvent j'entends des femmes qui disent « Mais je ne sens rien !» C'est pas vrai. C'est quoi ce rien? C'est quoi ce rien? C'est quoi ce rien? Rentre dans ce rien. Rentrons dans ce qu'on croit être ce rien. C'est exactement ça. Rentrons à l'intérieur pour sentir juste que dans ce rien, il y a tout. Et c'est parce qu'on cherche toujours autour, on tourne autour du pot. Hein. Enfin, moi, la première, j'ai fait ça pendant des années. Je suis encore quelquefois une addict à chercher s'il y avait un truc qui m'aurait échappé. Je dis quand même, Karine, on ne sait jamais s'il y avait un truc par là encore à choper. Voilà. Voilà. Et en fait, ce n'est pas là-dedans que ça se crée, que ça s'actualise, que ça s'accueille. C'est dans cet espace, en fait, vous voyez, quand je fais ce truc-là, c'est d'en finir faire, de venir goûter dans cet espace où on croit qu'il n'y a rien. Et c'est toutes les projections qu'il y a cachées derrière ce rien. Alors ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, parce qu'il y a tellement de choses cachées dans ce rien-là. Vous voyez? Et dans nos vagins, il y a l'univers à rencontrer. Voilà. C'est l'univers que nous rencontrons, notre univers. Hein, nous rencontrons à ce moment-là.
En fait, nous créons le lien entre notre vagin et notre. En fait, nous devenons des terriennes. Moi, j'aime bien dire ça. Nous devenons des terriennes. C'est-à-dire que nos pleurs émotionnelles de joie, de tristesse, de colère, on peut pleurer tellement d'émotions. En fait, on se libère de tout ce qui était des projections horizontales où on cherche à tout va, et en fait, on se verticalise. Et en se verticalisant, nous quittons en fait cet espace entre guillemets de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus humaine, mais en fait, on devient des terriennes, on devient des canaux entre ciel et terre. À ce moment-là, notre eau, il y a un lien qui se fait, hein, comme quand on accouche notre bébé, c'est un lien entre le ciel, il vient du monde désincarné ou manifesté, il vient sur terre. Eh bien, nous accouchons à ce moment-là, lorsque nous, à chaque fois que nous faisons pipi, à chaque fois que nous allons aux toilettes, nous rencontrons notre côté terrien, d'accord? Eh bien, dans l'éjaculation, c'est la même chose. Hein, c'est vraiment de trouver cette place sur terre, d'avoir une racine, hein, Mooladhara, extrêmement ancré. Quand le féminin se graal est apaisé, il y a quelque chose en fait de ce masculin qui peut s'exprimer et qui peut pénétrer. Nous pouvons aussi pénétrer la terre, femme divine intégrale. Nous pouvons pénétrer la terre de nos eaux profondes. Nous pouvons la pénétrer. Nous pouvons vraiment venir nous ancrer sur cette planète Terre et que notre bassin est une boussole. Et lorsque nous sommes bien ici, ajusté à notre boussole intérieure, lorsque tout ça c'est, comment dire, vivant, conscient, en reliance avec cette planète Terre, eh bien, il y a la sécurité, il y a la confiance, il y a la guidance. Moi, en ce moment, par rapport à tout ce qui se passe, mais je me sens profondément en paix. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut être fontaine pour être en paix? J'en sais rien. Mais c'est une invitation. C'est une invitation pour vous, mesdames, et pour messieurs, ça serait la zone de la prostate, donc ça serait le toucher rectal au niveau donc de la prostate. Nous avons tout intérêt en ce moment à venir vraiment apaiser notre bassin pour pouvoir mieux nous asseoir, mieux recevoir les informations qui viennent de la profondeur, qui viennent, voilà. Lorsque je suis dans un bassin sécure, lorsque mon bassin est vivant, automatiquement, je suis guidée. Je suis guidée dans mon instinct et mon intuition. L'instinct en bas et l'intuition en haut ne font plus qu'un. Voyez? Et d'où la passion avec laquelle j'œuvre. Et honnêtement, je ne connais pas une seule femme qui ait participé à un de mes ateliers ou un accompagnement avec moi ou un toucher thérapeutique intrapelvien. Donc, si vous ne connaissez pas Aline Martial, qui fait partie, donc là, c'est pareil, elle est dans la région de Toulouse, elle pratique également. Sachons aussi que nous n'avons pas le droit, je vous le dis, nous n'avons pas le droit. Ce sont des choses qui sont interdites, logiquement. Voilà. Nous sommes un peu les sorcières des temps modernes, c'est-à-dire que au Moyen-Âge, nous étions brûlés lorsque nous œuvrions une médecine en parallèle des médecins, d'accord? Nous étions brûlés pour être des sorcières. Les femmes qui pratiquent, disons, le toucher thérapeutique intrapelvien dans les temps modernes, ce sont les sorcières des temps modernes, hein, parce que nous savons qu'effectivement, quand nous rencontrons un vagin, c'est un terrain miné, ça ne se rencontre pas comme ça, il y a tout un processus, il y a toute une progression, d'accord? Effectivement, ça demande déjà d'être dans une présence consciente en tant que femme qui propose ce genre de toucher, d'accord? Donc d'avoir déjà alchimisé énormément sa propre sexualité, son propre bassin, son propre cœur, d'accord? Mais ça demande aussi, comment dire, de sortir de cette peur, en fait, de pratiquer, bah, effectivement, quelque chose qui, logiquement, on n'a pas le droit, quoi, parce qu'il n'y a que les ostéopathes, et encore non plus, ils n'ont plus le droit, il n'y a que les sages-femmes, les médecins. Et quand je vois les retours que j'ai des énergies d'abus qui sont activées dans ces rencontres auprès des...
auprès de certains gynécos. Enfin, heureusement qu'ils sont là, les gynécos, mais enfin, ils ont tellement de monde qu'ils ne peuvent pas non plus faire un toucher thérapeutique à chaque fois qu'ils rencontrent une femme. Mais enfin, il y a rentrer en conscience avec bienveillance et il y a rentrer le spéculum. Bon, bonjour madame, écartez, on fait un prélèvement, voilà. Et on retrouve tout ça, en fait, en tant que thérapeute dans ces espaces. Aline Martial, qui est là avec moi. Vous pouvez aller la regarder sur son en message privé. Nous œuvrons toutes les deux donc dans ces espaces. Ça demande vraiment une bienveillance amoureuse avec soi-même et surtout une foi indéfectible que ce monde guérira quand les femmes récupéreront et les hommes effectivement la conscience cachée dans nos bassins. C'est-à-dire que toutes les énergies d'abus, toutes les peurs, toutes les contractions sont vraiment logées là-dedans. Et cette conscience n'attend que nous. Alors c'est bien déjà dans un premier temps de commencer par notre propre conscience, d'y poser notre propre conscience, d'où les programmes en ligne, d'où les accompagnements en distance, mais qu'à un moment donné, en fait, c'est intéressant de venir rencontrer soit avec son partenaire de vie, hein, c'est possible de le faire avec son partenaire de vie, soit avec une thérapeute, moi j'en fais partie, on est quand même beaucoup en France à pratiquer ce genre de, voilà, à pratiquer ce genre de toucher. D'accord, mais c'est, je dis toujours attention, ce sont des espaces qui sont minés par les énergies d'abus. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression. Ça veut dire qu'il y a des touchés de temps en temps où on ne rentre même pas les doigts. Ok, ce sont des touchés qui doivent être vraiment dans une espèce de bienveillance amoureuse de là où on est la personne exactement dans son histoire. Parce que souvent, elle vient avec une intention. C'est toujours pareil, en fait. On veut guérir, on veut guérir, on veut guérir, on veut guérir, on veut guérir. Donc, on fait tout. Mais à un moment donné, en fait, dans cette survolonté de guérir, on devient agressif avec soi-même. On devient un peu comme des guerriers, voyez. Et on vient réactiver, en fait, des énergies d'abus, alors que c'est pas le moment. D'accord? Il y a toute une progression. Donc, je dirais que pour cette progression de la zone G, ça va être déjà de conscientiser qu'elle existe. Ok? Donc, cette zone G, pour éjaculer, ça va être cette progression, pour pouvoir se dire, ça existe, c'est une possibilité, mais pas une obligation. En suivant, ça va être seul, d'introduire ses doigts dans un vagin, dans le vagin, et de venir, pourquoi pas, actionner. Troisième étape, ça va être pourquoi pas de mettre, d'introduire un corps étranger. J'aime beaucoup cette progression. Pourquoi? Parce que les énergies d'abus, souvent, ont été activées parce que nous avons reçu en nous des corps étrangers sans avoir été en conscience. Par exemple, vous voyez, ça c'est un corps étranger. Je préfère qu'une femme commence avec ses propres doigts ou c'est son propre corps. D'accord. Donc elle est en lien avec sa propre conscience, son propre ressenti, d'accord? Et en suivant, on peut commencer par des corps étrangers. Quand on est suffisamment en confiance et qu'il n'y a pas, en fait, du côté du partenaire ou de la partenaire de projection égotique à vouloir atteindre un espace particulier, on peut demander à son partenaire d'être, en fait, le corps étranger, pour le coup, et de venir actionner les espaces, de venir apaiser cette zone G. Voilà ce que je pourrais vous dire. Et en suivant, eh bien, lorsque l'on ressent beaucoup de tension, beaucoup de peur dans le bassin, seul ou accompagné, nous pouvons en fait venir actionner notre zone clito-urétro-vaginale. Alors, qu'est-ce qu'on a également comme message, Dominique? Tu me dis, oh oui, le bassin, siège de la confiance. Oui, Dominique, je dirais même plus de ma propre expérience, c'est la sécurité. Le bassin, c'est un espace sécure. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel reposent tous nos organes vitaux. Voyez, enfin, les gens ne sont pas conscients. Les gens ne sont pas conscients. Ils ont l'impression que le bassin, voilà, c'est juste un truc d'os dans lequel. Voilà, c'est juste un truc d'os. Non, il y a des muscles, il y a des organes, et en fait, tous nos organes vitaux, d'accord? Donc, entre les poumons où il y a de l'os et puis le bassin, tout ça, on a donc les muscles, la sangle abdominale, mais on a donc
tous nos organes vitaux qui sont déposés dans ce bassin avec ces voiles périnéales. Donc, vous pensez bien que les émotions sont dans les organes vitaux. Si mes émotions peuvent se déposer en sécurité, si elles peuvent s'exprimer, si elles peuvent être contenues par un espace conscient et vivant, forcément, ça change la donne au niveau de la sécurité, une sensation de sécurité. La confiance, pour moi, c'est un espace en fait du cœur qui vient en fait rencontrer la sécurité. C'est vraiment confiance et sécurité. Il y a vraiment voilà, il y a une rencontre entre les deux qui fait que voilà, ça circule. Voyez, ça crée un lien entre le cœur et le sexe. Et la confiance, lorsque ce cœur s'ouvre, et nous les femmes, on a besoin en fait de se sentir vraiment en confiance pour pouvoir rencontrer notre sécurité intérieure. D'accord, c'est ça va, c'est pour moi c'est voilà la confiance. On doit pouvoir sentir que l'autre est capable de nous accueillir tel que nous sommes. Donc ça ouvre un sentiment de confiance pour pouvoir libérer les espaces insécures. D'accord? Voilà, c'est vraiment en étroite reliance. Alors, tu me dis, Lilou, merci Karine pour tout ce partage. Ben avec plaisir, moi je suis animée en ce moment par, par cet élan, parce que j'ai cette sensation que plus on parle avec simplicité, aisance, joie, reliance, amour, considération, verticalité de nos bassins, de notre sexualité féminine, de notre plaisir féminin, de nos anorgasmies, de nos fuites urinaires, de notre plaisir quel qu'il soit, et plus ça contribue à apaiser l'espèce de vortex complètement hypnotique dans lequel on pourrait tomber. Hein, j'ai cette sensation qu'en ce moment, avec ce coronavirus, eh bien, nous avons le choix. Soit nous sommes absorbés par la psychose, d'accord? Psychose, d'accord? D'accord? Ça vient là, c'est en lien aussi avec le ventre, avec les émotions de peur qui sont dans le ventre, d'accord? Soit, eh bien, nous venons rencontrer de la sécurité. Et c'est pour ça que je me dis, mais c'est mon message, il a toute sa place et tout son sens maintenant. Activons les bons centres d'énergie chez nous. D'accord? Cœur, sexe. C'est là où on est le plus en lien avec notre propre vérité intérieure. Le fait de pouvoir être conscient de son bassin, ça stimule les organes vitaux, ça stimule les défenses immunitaires, ça stimule l'ocytocine, et tout ça c'est bon pour notre protection immunitaire, soyons très honnêtes. Accordons-nous ce temps de, comment te dire, ce temps qui nous est offert. Accordons-nous pour explorer, pour nous explorer, pour nous rencontrer d'une façon différente, et voilà. Et voilà, laissons-nous guider. Nous avons le choix, hein. Soit effectivement ben nous sommes mobilisés par la peur et c'est ok, ça fait partie de l'humain. Soit nous sommes mobilisés par d'autres centres énergétiques que sont effectivement la sécurité, la confiance, la joie. Et comme nous sommes les créateurs de notre vie, ben, choisis ton camp, quoi. Et il n'y a pas de problème avec les gens qui actionnent la peur, hein. Ça fait partie de l'expérience humaine, la peur. Voilà, et c'est aussi, la peur est nécessaire pour le reptilien, pour protéger, en fait, d'un danger immédiat. Tout ce qui nous est proposé en ce moment, nous avons cette possibilité de ne pas être en contact avec un danger immédiat. Au contraire, quoi, je pense qu'on a vraiment cette possibilité en ce moment, dans ce retour vers nous, de pouvoir nous interroger sur nos fondations, sur nos priorités. Voilà. Jean-Paul, tu me dis, non, mais c'est juste pour activer la Kundalini. Alors, tu parles de l'éjaculation féminine, Jean-Paul, ou tu parles de toucher prostatique, parce que tu es un homme, et peut-être que tu es sourcier aussi. Donc voilà, juste à voir effectivement à partir du moment où on vient en fait au niveau de l'anus, au niveau du noyau fibreux. Le noyau fibreux, vous voyez, il est à l'anus,
le vagin, vous voyez, et au milieu, en fait, on a vraiment ce qu'on appelle la jointure entre le périnée antérieur et postérieur, il y a ce qu'on appelle le noyau fibreux. Et au niveau comment dire, dans le yoga et toutes les pratiques un petit peu sanskrit, on appelle ça Mooladhara, c'est-à-dire le premier chakra. Et ce premier chakra, c'est le lien à la terre, c'est le oui à la terre, c'est oui à la vie, c'est vraiment le oui, quoi, le oui à la vie, le oui à la sécurité, le oui. Voilà, donc quand cet espace est quand même bien vivant, bien conscient, c'est quand même plus facile. Alors, Lilou, tu me dis oui, et cela permet d'oser être tout simplement en état dans l'amour et le cœur. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est une invitation, hein, voilà, sachez que tout ça, c'est possible. Libre à chacune et à chacun d'entre nous de s'offrir cette possibilité de rencontrer cet espace sans point de vue, sans jugement, sans attente, et ça fait du bien. Voilà. Quant à moi, retrouvez-moi jeudi soir. Je vais utiliser mon copain. Alors, attendez, je vous le montre. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que le son du tambour permet vraiment de venir dans cette présence du bassin, le cul assis par terre, d'être en lien vraiment avec la terre et de mobiliser son bassin. Je vais proposer donc une soirée de guérison des bassins pour pouvoir accompagner justement tout ce qui n'a plus besoin d'être contenu, d'être enfermé là. Donc je me sers de cet outil. Donc en fait le tambour, pour moi vraiment les deux sont représentés. On est dans le féminin, le cercle ici, le contenant et puis le symbole du masculin qui vient taper, en fait, qui vient rencontrer, il y a vraiment l'union du féminin et du masculin dans le tambour, en tout cas pour moi, dans ce que j'en ressens comme symbolisme et surtout dans les voyages, les espaces de conscience qu'il me permet de pouvoir percevoir et appréhender dans ma vie et aussi eh bien, dans les espaces psychiques de l'autre. Voilà. Alors, youpi, amusons-nous. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi soir. Je vous ai mis en lien, eh bien, l'inscription, si tu te sens inspiré de nous rejoindre dans cette soirée de guérison du bassin, où nous allons extraire, eh bien, toutes les nostalgies du bassin, toutes les nostalgies du passé, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, de nous autoriser à faire une place vivante et consciente. Voilà. Et Véronique, tu me dis, alors retroussons-nous les manches. oui. Munissons-nous de nos outils, de notre conscience, de notre cœur. Munissons-nous de ce qui nous anime pour venir, eh bien, découvrir ce qui a besoin de l'être en ce moment, au plus profond de nous. Voilà, c'était Karine Morère, facilitatrice, maïoticienne du vivant et du conscient, à votre service pour plus de joie, plus de vitalité, plus de conscience dans nos bassins d'hommes et de femmes. À tout bientôt!